J'espère que vous avez profité de ces fêtes. J'espère que vous avez eu plein de cadeaux. T'as eu des cadeaux, toi? Oui, plein. Elle vit beaucoup de chocolat. Actuellement, le 8 décembre, c'est pas du tout. Mais avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Parce que la dernière fois que t'es venu, on a bugué. On n'a pas réussi à faire un check. J'aimerais qu'on retente aujourd'hui. Refaire un check, double main, sans foirer. T'es prête? T'es prête? Sans la pression? Allez, 1, 2, 3. Bon, ça c'est fait. Et du coup, aujourd'hui, on va refaire une vidéo que j'ai pas fait depuis longtemps. On va refaire une vidéo sur Next. Ça fait longtemps, ça va bientôt faire un an que j'ai pas fait de vidéo sur Next. J'attendais Pamela pour le faire. Pamela qui est friande de tout ce qui est télé-réalité, elle va se retrouver dans son élément. Hein? Oui. Tu veux faire des réponses plus courtes, s'il te plaît? Sinon, c'est trop long là. Je sais pas comment j'ai coupé après. Si tu fais des réponses aussi longues, je suis pas sûr d'y arriver. J'argumente. Alors, oui, j'adore la télé-réalité. Hello, old friend. Who are you? Don't you know me, Clark? I'm Lex Luthor. Ou pas? Et voici les garçons. Oh, allez, prends. Salut, moi c'est Dordo. Je suis célibataire, 23 ans, je bosse dans le bâtiment, et ce que je maîtrise de mieux? C'est le mono-sourcil. Non! J'ai pas ce qu'il y a du tout. Le marteau piqueur. Ouais, salut, j'ai 23 ans, je suis un bonhomme. Ce que je maîtrise de mieux, c'est mon marteau piqueur. Salut, je m'appelle Selim, je suis blogueur, j'ai 25 ans. Comment c'est que j'ai? Mon délire, c'est les postes, mais aujourd'hui, je m'occuperai volontiers de ton postérieur. Salut, moi c'est Cyril, 25 ans, je travaille dans l'événementiel, et aujourd'hui, ma mission, c'est toi. Salut, moi c'est Sendo, j'ai 19 ans, je suis gardien de but, et toi tes ballons, je les relâcherai pas. Salut, c'est Malik, j'ai 21 ans, je suis agent immobilier, et aujourd'hui, c'est toi que je viens de visiter. Ah, oh, la violence! Ouais, c'est toi que j'ai visité, ouais. Malik a 21 ans, il a eu plus de 40 aventures en un an. Ses amis le surnomment Dr. Troy, et il n'aime pas les filles avec des petits seins. Maintenant, ça a changé, ses petits seins gros cul. Ça va? Tu vas bien? Tu me fais pas un bisou? Si, bien sûr. Ça va comment? Mira et toi? Malik. Malik, enchanté. C'est quoi ton type de mec d'habitude? Mon type de mec? Grand. Allez, ciao! Musclé. Bon, les muscles là-bas, mais faudrait pousser un petit peu, non? C'est vrai que c'est un peu petit pour un homme. C'est vrai, pour un homme, ouais. Timide. Tu fais le quad? J'adore ça. Ouais, t'aimes bien? T'en as déjà fait? Un petit peu, ouais. Ouais. Sans le mytho ou quoi? Poignée? Tout seul. Tout seul, ouais. Ouais, ouais. Et là, je vais en faire toute seule. Ok. Bon! De toute façon, je vais pas en faire avec toi. Ouais, tant mieux. Ça tire pas le réel ici. Il y a des beaux gosses dans le bus. Mira, t'as bien fait de me rester. Parce qu'à mon avis, si t'es resté assis, c'est parce que t'as des vilaines fesses. Ciao. Malik, avec ta taille, c'est pas du quad qu'il faut faire, c'est du tricycle. J'ai hâte de voir Eduardo. Hein. Eduardo, c'est mon champion. Hein. Céline a 25 ans, il mange des briques à l'amour. Il rêve d'être le sosie officiel d'Eddie Mitchell et il ne porte jamais de sous-vêtements. Ah! Max? Ça va, tu vas bien? Bien. Tu veux faire un bisou? Non, tu veux pas? Je sais pas, hein. Je t'oblige pas. Je suis ravi. Ah ouais? C'est quoi ton petit prénom? Je m'appelle Selim, et toi? Selim? Ouais. D'accord, moi c'est Mira. Salut Mira. Ça te dit une petite balade? Écoute, tu conduis ou? Bah bien sûr, je conduis. Les femmes modernes, je suis d'accord aussi. Ah, on va s'entendre, on va s'entendre. Bon, je vais te laisser prendre le casque derrière. La sécurité voilà, avant tout. Tout à fait. Oui, mais mec, c'est. Mec, ça rate une interview ou quoi? C'est sûr, ça a l'air. Mais t'es sûr, tu conduis, hein? Moi j'ai un peu peur. La femme moderne, non? Les mecs grands. Allez, les grands. Elle m'a dit, ouais. Ouais, Bordeaux, allez, mon chou. Allez, mon nouveau. Ouais! Sorti! Les lunettes, c'est toujours le problème. Moi je suis prêt. Tu mets pas ton casque? Non, non, mais là, franchement, avec le casque, bon, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, next. Au moins, il a attendu avant de le mettre. Il est en mode tu next, hop, non, hop. Ah, j'aurais adoré monter derrière toi, mais pas pour un tour en quad. Selim, c'est pas un couple que je recherche, c'est un homme. Mais c'est pour faire ça, ouais. C'est Lando! Le champion! Les armes sont pas dans leur tête, vas-y, reviens. Allez. Une avance dans 3, 2, 1. Et ça a coupé.
Merci YouTube. Vous avez votre propre entreprise et vous faites tout votre possible pour la faire connaître. Optez pour. Eduardo a 23 ans. Il a été pris en otage par deux bombes sexuelles. Il s'est fait piquer par un scorpion et Jennifer Aniston est tout à fait son. Il a été pris en otage par deux bombes sexuelles. Il s'est fait piquer par un scorpion et je crois qu'il y a il y a un serpent qui lui a mordu les couilles et s'est fait rouler dessus par un rouleau compresseur. Mais il est là. Moi c'est Eduardo et toi? C'est comment? Eduardo. Eduardo? Ouais. Moi c'est Mira. Enchanté. Oh là là. Ça va, tu vas bien? Ouais. Ouais. J'ai une machine. Ouais, t'as vu ça? Ouais. Mm-hmm. C'est en fait. Ça te plaît? Ouais. Sérieux? J'aime bien les machines. T'aimes bien? Les grosses machines. Ouais. Comme toi, t'es une grosse machine. Merci. Ouais, on va se lâcher. Bah écoute, prends-le comme tu veux. Ouais. Je prends pas derrière. Ouais, je prends pas derrière. Tiens, on va aller faire un petit tour. Déjà, tu vas mettre la Charlotte. Ouais. Ouais. Non, t'es pas content? Je vais faire un effort. Ah, merci, c'est gentil. Allez, je suis gueulé maintenant. Ah. Ouais, t'es magnifique. Je monte derrière ou je monte devant? Bah, tu montes pas. Next. Cyril a 25 ans. Il aime faire l'amour dans des lieux insolites. On le confond souvent avec M. Pokora et il ne se sépare jamais. On le confond souvent avec M. Pokora, mec. Je vous laisse l'image de Pokora juste à côté et vous avez 5 secondes pour en trouver la ressemblance. J'attends 5 secondes. J'ai attendu 5 secondes. Cyril, Mira. Chanté. Tu me touches déjà? Ah, je suis tactile. T'es tactile, ouais. C'est bien. Ouais, bonne qualité. Bonne qualité? Ouais. Bon, tu t'amuses bien dans le bus? Non. Non? C'est mieux avec toi. C'est mieux avec moi? Ah, tu me fais plaisir en me disant ça. T'as de beaux yeux. Merci. Ouais. T'as dit? Allons-y. Faut s'adapter à la fille. Ouais, bien sûr. Genre, combien de rendez-vous vous acceptez? Imagine, si tu l'as paniqué au bout de 3 rendez-vous, tu fais quoi? Tu deviens fou? Tu l'as lâches rien. Non, c'est une meuf sérieuse. Déjà, je lâche rien et je suis content parce que c'est une meuf bien. Tu vois, là, c'est une meuf sérieuse. Si moi, je m'intéresse à elle. En plus, c'est une meuf bien, c'est trop yes. C'est trop yes. Aïe, aïe, aïe. Dans les boîtes, t'as des déguisements et surtout, t'as un next. Ok. Donc fais très attention, choisis bien ta boîte. Ça c'est drôle par contre. T'as couché avec 15 filles. Je pense que j'y arriverai jamais, c'est énorme. 15 c'est énorme. T'as couché avec combien de filles? Non, j'ai pas fait un mytho, je suis pas un vantard en mytho, tu vois. Je vais dire 5. Je vais dire. C'est tellement mal de mentir. Arrête de mentir, mais tu veux te dire la vérité. Moi j'en suis à 35. Non, mais merci Eduardo. Merci Eduardo, la franchise. Moi, le... 35 meufs, j'ai Ken. Qu'est-ce qu'il y a? Moulouse. Hey. Attends, je fais bien le mot au sourcil. Ouais, 35 meufs, j'ai baisé, moi. Mec. C'est le concours de celui qui a baisé le plus de. Mais toi, tu mytho, toi. T'as fait que 5. Moi, je dis, mec, mytho, moi, j'ai fait 35. Et elle pense qu'à aller faire du shopping. T'iras avec elle tout le temps faire du shopping? Moi, je peux dire que j'ai des sœurs, moi. Je peux dire que c'est une galère, mon pote. Pour choisir une robe. Rose, rouge, beige, rouge, jaune, non, rouge, bleu, non, bleu, jaune. Taille 36, 33, 40, 50, 60. 60. Toujours dans l'excès, mais. Niveau sexe, ça allait avec elle? Ça allait. C'est important pour toi? Le sexe? Ouais. Quand même. Quand même. C'est l'équilibre d'un couple. Sinon, après, ouais. Tu vas voir à droite à gauche. Se mentir, le cul, c'est important au bout d'un moment. Non. On peut pas dire que s'il n'y a pas de sexe dans la relation, c'est tout beau, tout rose. Non, mais la différence, c'est qu'un connard qui est bon au lit pourra jamais devenir gentil. Alors qu'un gentil qui est mauvais au lit, il peut devenir bon avec le temps. Ah bah oui. Que le sexe, c'est une performance, alors qu'être un connard, c'est une... c'est la vie. Putain, c'est beau ce que je dis. Ça fait 37 minutes qu'on est ensemble. Et j'ai passé un bon moment avec toi. J'aimerais beaucoup te revoir. Donc c'est soit tu pars avec 37 euros et tu retournes dans le bus, ou soit tu restes avec moi et t'acceptes un second rendez-vous. Franchement, c'est pas tes goûts. Sérieux? Ouais. Ah bah là, et on se revoit. On se revoit, et on se revoit. Merci. Mais fais pas attendre trop longtemps. T'es victime. Mais la position. Mais écoute, je serais très heureux d'avoir un deuxième rendez-vous avec toi. C'est vrai. Oh. Merci YouTube. Vous avez votre propre entreprise et vous faites tout votre possible pour la faire connaître. Pour faire votre promotion. Oh, ça finit bien. Mira, ah ouais. Il est là. Next. D'accord.
s'embrasser. Comportement bah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Je suis dans mon comportement bah. Dans le bus, nos 5 sirènes chauffent leur voix, prêtes à tout pour charmer Michael. Il avait des mots, j'ai vu. M'a rendu accro. C'était la vidéo que j'ai fait l'année passée. Ah, j'ai déjà vu. Ils vont aller à la piscine, sur laquelle il va crouler. Exactement, ouais. C'est ça. On porte ses couilles et on y va. On est parti pour la vie. On se rebelle en 10 secondes. Soit, on prend les thunes. On prend les thunes. Aïe. Hé, bichetot. On porte ses couilles. A tout de suite. Alors ça te plaît? Super. On porte ses couilles. On porte ses couilles et on y va. Ça t'a dû le mettre? C'est pour toi. Bah mets-le sur ta tête. Regarde tes couilles, t'en as dessus là. Il est porte ses couilles là, regarde. Ah ouais, ouais. Alors est-ce que tu sais en quoi t'es déguisé, Karim? Je sais pas, cosmonaute? Extraterrestre? Ça aurait pu, non. T'es déguisé en spermatozoïde. Ok, cool. Les gars, on porte ses couilles et on y va. Et tu sais pourquoi? Non. Regarde derrière toi. Ouais, un gros ballon, ouais. Non, un ovule. Et peut-être que tu vas devoir le féconder. J'aimerais bien, tu sais. On porte ses couilles. On porte ses couilles. Prendre le sac et à me faire une petite course. Tap. Tu sais que quand j'étais petite, je me suis pété le bras comme ça. Horrible truc. Là, ici, cassé. Ça aura bien pour ça. Le physique que là-dedans. D'accord, il me semble. Je pense que t'as assez d'endurance et de muscles pour rentrer dans mon ovule. Putain, il est rentré nickel. Sans m'écraser. Elle l'a dit. Tu peux te promener. Faut trouver le truc. Attends, sans m'écraser quand même. Hein. Voilà, l'enfant. Ah, c'est bien. Oh. Je te félicite. J'espère que je t'ai bien fait rigoler. Alors, sinon... C'est quoi ton style de fille? Toi? Ouais, non, ça je m'y attendais. Hein. j'en ai pas particulier, moi. Mm-hmm. Voilà, je suis plutôt cool à ce niveau-là. Ouais, non, t'as l'air d'un type cool, bien sympa. J'aime. Ce serait mon défaut, je me décrirais comme ça. C'est vrai? Il a pas le voir, il est féminin. Next. Mais tu m'étonnes. C'est pas grave, là je te souhaite une bonne continuation. À toi aussi. Ciao. T'es très sympa. T'as ça pour 7€, mec, c'est chouette. Bon, moi, je trouve que c'est respectueux, tu vois, il lui fait la bise. Ils sont tous petits, hein. C'est toi qui es grand. Oh, Jesus. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. 65 ans. Tu t'appelles comment? Nathan. Nathan? Jonathan. Jonathan? Ouais. Jessica. T'as quel âge, Jonathan? J'ai 26 ans. Et sinon, t'as des passions? Oui. Tu peux être moins crispé, s'il te plaît? Mais il y a crispé, ça. Putain, c'est une fille. Le monsieur, il m'a dit de pas taper les filles. Ce mec, il est trop en mode, mec. La salsa. La salsa. Ah bon? Mm-hmm. Ah, c'est intéressant, ça. Très sympa, Jonathan. Ah, merci, ça me fait plaisir. Mais non, non, merci. Mais c'est vrai que je suis un petit peu cubain, donc des fois on peut me confondre. Eh ben, je te trouve très sympa, Jonathan. Oui. Mais je vais te dire next. Oh non! Oh non! Il était trop chou! Oh! Il était trop chou, le pauvre, il me fait de la peine. Arrête, il me fait de la peine. Next. Non, tu peux retourner au camion? Attends. Cours. Next. Hop là! Je vérifie un petit truc. C'est bon. J'ai rien raté. Ah bah moi non plus, hein. Je m'en vais comme un prince. Et heureusement que t'as marché jusqu'ici pour faire un peu d'exercice. C'est là que tu vois que ça vieillit parce que la preuve de danse tectonique. T'as connu tectonique? Ton. Ouais, mais t'avais 50 ans. J'ai connu, c'est tout. Si. Bon, je te fais une démonstration. Heureusement que c'était pas qui est révolu. Voilà. D'accord. Next. Eh bien, je pense que ça va être next. Allez, je vais y aller. Je parle des autres. Ta collègue, en fait, la blonde, je pense qu'elle avait une fausse poitrine. Toi, je pense que c'est des vrais. Je peux toucher? Non. Juste avec... Il est excellent! Il est incroyable! Même avec le doigt. D'accord, ok. Bah excuse-moi, mais c'est next. Oh bah tant mieux. Ça sentait trop moche. Oh! Ah, violence!
Bah écoute, Shainez, je te propose de découvrir 1000 merveilles. Donc ça fera 1001 merveilles avec toi. Ah bah bravo. Non. D'accord. Je t'en signe de fric ? Non, pas vraiment. Ouais, c'est pas grave. Bah écoute, Shainez, je pense que tu seras jamais aussi légère qu'un papillon. Donc, je suis désolé, mais c'est next. C'est pas grave, je t'en C'est pas grave. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, et malheureusement pour toi, je suis la plus belle. Au revoir. Salut. Ça calme, hein. Merci, la fille, sur une belle note, c'est bien. Et voilà, c'était la vidéo Next. C'est toujours aussi palpitant de regarder Next. C'était les émissions de l'époque, quoi. J'espère quand même que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Passez un très bon nouvel an. Ne vous bourrez pas trop la gueule. Plein de cadeaux. Et on se retrouve début janvier pour la première vidéo sur Pokémon sur Nintendo Switch.